Salut les juristes! Aujourd'hui, on se concentre sur la rétractation d'une promesse de contrat avec l'arrêt Consort Cruz, rendu le 15 décembre 1993 par la 3e chambre civile de la Cour de cassation. L'arrêt affirme que la rétractation du promettant dans le cadre d'une promesse fait obstacle à la formation du contrat promis. Mais avant toute chose, sache que tu peux aussi retrouver la fiche illustrée de cet arrêt sur notre compte Instagram, @filetdroit. Dans cette affaire, le 22 mai 1987, une vendeuse avait formulé une promesse de vente d'un immeuble à un couple d'acheteurs, les Consort Cruz. La promettante donnait aux bénéficiaires le droit d'opter, c'est-à-dire accepter d'acheter jusqu'au 1er septembre 1987. Mais, le 26 mai 1987, la vendeuse a informé les bénéficiaires qu'elle souhaitait rétracter cette promesse. Mais malgré la rétractation, les bénéficiaires ont quand même décidé de lever l'option et d'acquérir l'immeuble le 10 juin 1987. Cette levée d'option étant intervenue dans les délais fixés par la promesse, ils ont alors assigné à la promettante en réalisation forcée de la vente. Le 8 novembre 1990, la Cour d'appel de Paris a débouté les Consort Cruz de leur demande. Elle a ainsi déclaré que la rétractation de la promettante avait rendu impossible la rencontre des volontés, essentielle à la formation du contrat. Mais pourtant, la promesse était un avant-contrat. L'ancien article 1134 du Code civil lui donne force obligatoire. En effet, l'objet de la promesse était d'engager la promettante à conclure le futur contrat. Cette vision est cohérente avec le nouvel article 1124 du Code civil qui affirme que la promesse unilatérale est le contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. L'engagement du promettant exprimé dans la promesse semble donc être un témoignage de volonté ferme et définitif. Alors, la rétractation du promettant durant le délai de levée d'option fait-elle obstacle à la rencontre des volontés et donc à la formation du contrat promis? La Cour de cassation va confirmer la décision d'appel et affirmer que la rétractation durant le délai d'option, même si elle est en violation de la promesse, empêche la formation du contrat promis. Alors, la Cour va exposer qu'il y avait dans cette affaire deux contrats bien distincts et ainsi autonomes. La promesse de vente d'une part, et la vente de l'autre. Bien que ces deux contrats poursuivent un même but, ils comprennent chacun des obligations propres. La promesse comprenait une obligation de faire, c'est-à-dire une obligation de réitérer sa volonté en temps voulu. Tandis que le contrat de vente porte sur une obligation de donner la chose convenue, ici l'immeuble. Alors, en présence de deux contrats, la force obligatoire de l'un ne pouvait pas s'étendre à l'autre. La volonté de la promettante exprimée dans la promesse ne pouvait pas constituer la même volonté que dans le contrat de vente, puisqu'il ne s'agissait pas du même contrat. C'est pourquoi la Cour de cassation convient que cette rétractation excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir. Est-ce que pour autant, ça veut dire que la rétractation est autorisée? Eh bien non, la rétractation était interdite au titre de la promesse de vente, mais cette obligation n'étant qu'une obligation de faire, elle ne pouvait se résoudre qu'au titre des dommages et intérêts. Ce que l'ancien article 1142 prévoyait, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. Mais attention, cette position n'est plus d'actualité. Le 23 juin 2021, la 3e chambre civile de la Cour de cassation va opérer un revirement de sa position et affirmer que la révocation de la promesse durant le délai d'option n'empêche pas la formation du contrat promis. Désormais, le consentement formulé dans la promesse est ferme et définitif et s'étend donc au contrat promis. Ce qui va dans la direction imposée par le législateur, qui a inscrit en 2016 à l'alinéa 2 de l'article 1124, la révocation de la promesse pendant le temps laissé aux bénéficiaires pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utile, et quant à moi je vous dis à bientôt, et d'ici là, filez droit !